خوتي خواتاتي جيسبر راكم مليح باسكو اليوم انا مانيش كاع مليح مانيش كاع مليح يا خوتي باسكو راني توجور ماروك خوتي خواتاتي جيسبر راكم مليح باسكو اليوم انا مانيش كاع مليح مانيش كاع مليح يا خوتي باسكو راني توجور ماروك درتلكم البومير فيديو اللي سمعتوها واللي شفتوها وين تكلمت على سكون بو ابون دو سو بيي اللي هو جارنا وما عندهم ني بترول ني غاز وما مبانين ني ايكونومي وما قادرين يعيشوا بلي موان تاعهم المهم انا ماشي دام بوين فوا باش نقول لكم بلي المغرب خير من الجزائر ولا الجزائر خير من المغرب ما جو نونتخ با دون سي كونديسيون دون سي ديبا ديبيل جو سوي لا بور فو دير بلي ان بي لي بلا بترول بلا غاز بلا لي ريشيس بلا لي رونت بلا اوكين رونت براتيكمون راهو باني اون ايكونومي وراهم يزدبروي افيك لور ديفو ايزون دي ديفو اليوم في طنجي لقينا باغ اكزومبل حنا دي زونفون مساكين يطبوش كان 2 دو ماتان هذه الافه بلاك ما نلقاوهاش في الجزائر ولكن عندهم دوطر كاليتي وين حنا ديباساونا فيهم Bien sûr, je t'envoie mon chauffeur, il te récupère à l'aéroport, il est dans l'hôtel. Oui, oui, il y a un chauffeur qui est ici. Il y a un magasin de Mouarra. Il y a un magasin de Mouarra. Abdou. Salut mon ami. Le Marocain, le Marocain. Tu m'as dit, je demande auprès de notre ami. Wallah, mais je t'entends pas très bien. Tu as dit quoi? Dis-moi, je demande auprès de votre ami. En commun. Khalil là-bas. Chauf. Demain, tu prends l'avion. Tu prends l'avion à 15h30 à Alger. C'est bon? Le lundi. Ah, demain, je me le lundi. Et moi, j'ai été chez à 14h, à 15h30. Parce que lundi, tu arrives à 17h à Casa. Tu n'arriveras jamais. Très bien, donc lundi 15h30, pas dimanche, lundi. Mais non, mais demain, dimanche, tu prends l'avion demain à 15h30 à Alger, aéroport d'Alger. Oui, 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 mais demain, alors, on peut pas faire ça lundi, parce que demain j'ai une interview. Mais écoute, lundi tu n'arrives pas, tu vois. Erdo. Allô, allô, allô. Allô, tu m'entends? Oui, tu as dit quoi? Si tu te prends l'avion lundi, tu n'arrives pas, tu vois. Tu n'arrives pas, in time. Ah bon, impossible d'arriver à... Pourquoi c'est le... J'arrive à 17h à Casa, là on est à Rabat. Là, là, c'est lundi, là, c'est lundi. Ah, ok, mon ami, ok. Ok, on fait comme ça. De Casa à Rabat, comment j'arrive? Je t'envoie le chauffeur. Donc il me récupère de l'aéroport de Casa direct? Bien sûr, je t'envoie mon chauffeur, il te récupère à l'aéroport. Dès que tu es à l'hôtel. Oui, je suis avec le chauffeur, c'est-à-dire, il y a le magasin de Mouarra. Après, tu me donneras la recette. Et ouais, je te dirai, tu viens et comme ça, je te donne la recette. Ça fait, ouais. Je t'envoie là-bas. On va m'attendre. S'il te plaît, comme ça, je t'envoie le billet. Tout de suite. Okay. Demain, je t'envoie le. Là, je vais te récupérer moi-même, gars. On la recette. Je vais me récupérer. Ouais, je suis là. Demain, c'est dimanche. Je vais faire un jour férié. Je vais te récupérer moi-même.
Ah, ok. Laisse-moi juste confirmer. Là, je conduis, je rentre pas qu'à la maison. Je fais un ou deux coups de fil pour organiser ma journée de demain et je te confirme. Okay. Allo Abdo, ça va, je suis bien. Ça va là-bas, ça va ta frère. Non, je suis en train de me faire des enquêtes. Bonjour Abdo, ça va? Là, quand le silence, Dieu, j'étais en train d'écrire, comme ça, mais c'est la lumière. Ya Abdo, je vais te demander un truc. Je vais te demander. Je te jure, tu peux compter sur moi. Je vais te régler tous les problèmes. Allez, je vais avec le papier à la bouchoir. T'as même bouchoir, je ne sais pas plus de ça. Tu l'as repris, mais Maghreb émergence. Maghreb intelligence. On est un partenariat marrant. Non, mais c'est un papier, on le critique pas, on le dit, Berkbili, voilà, il a de bons réseaux, il est lobbyiste, etc. Au contraire, il n'est pas trop critique contre lui. Nahé, qu'Allah Allah y'aounek, y'aounek, y'aounek. قالك عييت قال لي عييت دو فوار دي تروك سور موا خليه روفيان او جو تو كون فا بيان بوسي والله ويت هذه هنا بيرسونيلمون اقسم بالله بيني وبينك وين مابلي اني في المقاول سي تري انتريسون ابو وي أو أراه تي من تاع تاكلو ديما بداو ديجا بداو وي بيان سور أرواح هنا هيا أوكي خليني بكش نفضل نكمل الخدمة ونعاونها نحيها الله يسترك الله سيرتو لا فخاز هذيك تاع غازوكي شوفي 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 موديفي لا فخاز كي جاوب نحي ديال انتم بروتالمون شغل داوي شك سخا با بيان بور لو نحي لا فراز هذيك دير لا خير نحي هذوك لي فخاز كو تاع غازوكي دو بلوس Voilà. Ok. Ah, oui, ok, ma chère. Ok, très bien. Tu viens, je t'attends. Non, je te confirme. Normalement, j'ai un débrouille de rendez-vous. Donc, il y a quand même des bruits. En Tunisie, les autorités sont sur le qui-vive depuis le retour de l'instabilité en Libye. Les fouilles et les contrôles d'identité se multiplient aux frontières. Et depuis quelques jours, Paris et Tunis frôlent l'incident diplomatique. Le 14 avril, plusieurs Français à bord de véhicules diplomatiques en provenance de Libye ont été bloqués au passage frontalier de Ras Jadir entre la Tunisie et la Libye par la douane tunisienne. Des armes auraient été dissimulées dans une des voitures et saisies par les forces de sécurité tunisiennes. À Paris, le ministère des Affaires étrangères a précisé que les armes en question appartenaient au détachement de sécurité qui assure la protection de l'ambassadrice de France en Libye et a démenti qu'elles aient été saisies. Mais l'affaire a rapidement pris de l'ampleur. L'ambassade de France en Tunisie a publié un communiqué de presse pour démêler le vrai du faux. Le document affirme qu'il s'agit bien de diplomates français. L'un des déplacements que l'ambassade de France pour la Libye effectue régulièrement entre Tunis et Tripoli s'est fait par la route ce dimanche 14 avril 2019 en raison de la situation actuelle en Libye. Il concernait les membres du détachement qui assure la sécurité de l'ambassadrice de France pour la Libye. Ce déplacement a été organisé en concertation avec les autorités tunisiennes. Des contrôles de routine ont été effectués au passage de la frontière entre la Libye et la Tunisie afin de dresser un inventaire des équipements de ce détachement qui a poursuivi sa route.
Le mardi 16 avril, le ministre tunisien de la Défense, Abdelkarim Zbidi, est revenu sur l'affaire. Il parle, lui, de tentative d'infiltration sur le territoire national depuis la Libye. Et la version tunisienne diffère de la version française. Selon lui, 13 individus de nationalité française, sous couvert diplomatique, ont tenté de franchir la frontière tuniso-libyenne à bord de 6 voitures tout-terrain, refusant de rendre les armes en leur possession. Les munitions qui étaient en leur possession étaient mises en sécurité dans la caserne de Ben Gardan. Nos frontières terrestres, aériennes et maritimes sont sécurisées et sous contrôle. Le ministre a également évoqué un deuxième incident. Ce groupe est composé de 11 individus armés de différentes nationalités européennes, détenteurs de passeports diplomatiques, ayant tenté de s'infiltrer par les côtes à bord de 2 Zodiacs. Les membres du groupe ont été livrés aux gardes-frontières et à la douane alors que les armes et les munitions saisies ont été acheminées à la caserne de Ben Gardan. Le Quai d'Orsay, interrogé par l'AFP, a réfuté tout lien entre le convoi de véhicules et les personnes en Zodiac et a seulement évoqué un contrôle de routine. Ces arrestations ont coïncidé avec la visite en Tunisie de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. La ministre française s'est entretenue avec le président tunisien Beji Caïd Essebsi. Ils ont notamment discuté de la consolidation de la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme. Et selon plusieurs médias tunisiens, il s'agissait de conseillers français qui étaient dans la ville de Gariane, dans le nord-ouest de la Libye, en appui aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Mais rien ne permet de le confirmer. Le ministre tunisien de l'Intérieur, Hichem Fourati, a assuré lui qu'il suivait de très près la situation en Libye, soulignant que des dispositions militaires et sécuritaires avaient été prises aux frontières est et ouest du pays. Comme le disent de nombreux experts, comme le disent y compris des acteurs du dossier, les raisons pour lesquelles nous sommes entrés en guerre sont erronées, à savoir qu'il y avait un génocide en route. Ça a quand même été dit à la tribune de l'ONU. Il y a des crimes contre l'humanité. Il y a des massacres de populations civiles. Nous avons interviewé, par exemple, Bernard-Henri Lévy pour cet ouvrage, qui a été une sorte de ministre des Affaires étrangères bis, qui a été utilisé par Sarkozy pour contourner Juppé, qui au début ne voulait pas faire la guerre, qui dit dans le livre « D'accord, il n'y a pas eu de massacre de populations civiles ». Mais enfin, c'est le contraire de ce qui était raconté. Malheureusement, il faudra dans les heures qui viennent des frappes ciblées sur ces colonnes de chars qui sont en train d'arriver aux portes de Benghazi et qui s'apprêtent à y faire un carnage annoncé.